Atelier Géodesign, de retour sur notre CLA concernant le covering et le démontage des poignées, des accessoires qui permettent voilà, de faire un covering proprement. Donc pour le coup, on va remonter la poignée. Alors c'est simple sur le papier, mais bon, on va faire ça et vous allez voir. Donc, premièrement, repositionner les petits caches. On entend bien les petits ergots derrière l'épaisseur de la carrosserie. Voilà. Ok, ensuite, donc la poignée, alors c'est là que c'est délicat, parce qu'il faut repositionner la poignée forcément dans son logement ici, et venir attraper la gâche qui permet le mouvement d'ouverture-fermeture. Donc le but, je vais essayer de le faire en ralenti, c'est d'entrer d'abord cette partie, de sentir qu'on est dans le logement, de venir suivre le guide ici, afin d'essayer de gauler cette fameuse gâche que j'ai pas attrapée là justement. Ça y est. Ça s'est passé relativement rapidement. Une fois que c'est fait, à l'inverse du démontage, repositionne notre partie droite. Voilà, elle est bien au fond. Et ensuite, on va venir en maintenant une légère pression sur le bouton pour pas qu'il soit décollé, attraper la fameuse vis qui est tout au fond de ce logement, est très dur à attraper. Je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps. Le principe étant de resserrer la vis. Une fois que celle-ci est serrée, la poignée est remontée. Après, la baguette, simplement la clipser. Alors, bien la centrer, vérifier que tout soit propre en dessous. Et puis simplement bien l'aligner. Voilà, qu'elle tombe bien. Là où le doigt, bien positionné, comme ceci. Puis le petit avantage, c'est que le fait d'avoir fait un covering jusqu'ici, alors je ne sais pas si vous devinez, jusqu'ici, l'épaisseur du film contraint un peu plus la baguette dans son logement. Voilà. Bon, et ben on continue. J'espère vous avoir apporté quelques informations. Bonne fin de journée à tous. Bye.